regarde en Alpada. Juste l'énergie, faut pour prendre des coups. Sorti de la piste, marcher droit debout. Pierre de la poitrine, très fume encore, pire. On a un métier versé, on a un métier versé. On est très protégé, protège ma lutte, ma victoire stéphine. Ma victoire stéphine, j'ai vaincu ma crise, j'ai vaincu ma crise. La peur ne m'habite plus, la peur ne m'habite plus. Mes frères et mes sœurs ont connu la mort. La peur ne m'anime plus, la peur ne m'anime plus. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Man, le peuple est en transe. Il hurle de colère, de rage, tout ça, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage. Le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people is man go kill? How many people is man go kill? Et on marche, marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, passé. Les pleurs des chéris sont effacés, passé. La foule est devenue le peuple, elle marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple est pris des libertés, ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people is man go kill? How many people is man go kill? Son arme est finie, les rangs dispersés. J'ai armé des cerfs transformés, des moutons à lion surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est tout ferme, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. This man go kill. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. Oh, you go kill with a yard. How many people? Bonsoir chers tous, Alors je vous ai dit, Paris-Genève, c'est 1h10 en train. Donc on ira à Genève tous les jours que Dieu fasse. Tous les jours que Dieu fera, on ira à Genève. Je vous ai dit, c'est 1h10 en avion. Paris-Genève, c'est 1h10 en avion. Voilà, mission accomplie une fois de plus à Genève ce jour. Des esprits mal intentionnés ont voulu nous distraire hier avec des informations creuses et vides de tout objet. On a vérifié, nous sommes allés sur place avec l'équipe forte d'Allemagne, une équipe forte conjointe d'Allemagne, de France et de Suisse. On a vérifié l'information, au contraire, personne ne va nous distraire. Le papy a pensé
qui pouvaient nous dérouter. Ce combat qu'on mène, je vous dis, ce combat qu'on mène, ce n'est pas le jeu. Si certains activistes sont là pour nous distraire, je vous dis, on n'est pas là pour nous distraire. Alors une équipe a été montée hier dans la nuit, on a vérifié et vous avez vu les vidéos. Je vous ai dit, nous on parle avec des preuves. Vous avez vu les vidéos, vous avez très bien vu. Accompagné encore avec toute l'équipe d'Allemagne, avec monsieur l'ambassadeur d'IF, avec tous la base de Suisse. Nous sommes allés sur place, on a vérifié. Et là, je suis de retour sur Paris. Et demain matin, je vous dis, demain matin, pareil le vol. La location de voiture, ça ne coûte rien. C'est 70 euros à Genève. Tu prends ton vol, tu pars. Et je vous dis, préparez-vous. Contactez la combattante Salomé Tchapchet et le général Wanto. Il y a une mission qui se prépare. Une mission où vraiment on verra si Paul Biya n'ira pas. On verra s'ils ne vont pas quitter. Ils sont assez moqués de nous. Et comme il y avait un jeune artiste au Cameroun à l'époque, il chantait un père. Je vais vous mettre un père. Vous allez écouter un père. Le temps que je m'arrête et que j'ai un discours, un échange avec vous pour la nouvelle stratégie. Je vous mets un père. Parce que le père là a voulu nous tromper. Alors moi maintenant je m'arrête, je lui dis un père. Un père, Popol. Bon, voilà, j'arrête la vidéo et j'ai donc cet échange avec vous. J'étais en train de dire, justement, comme ce jeune artiste chantait, je tape les mains au papy, un père, mais tu ne pourras pas nous avoir. Je vous dis, cette révolution, ce n'est pas le jeu. Si on s'engage, si on fait tout ce qu'on fait depuis des mois, ce n'est pas pour s'arrêter en chemin. Alors, il y a certains esprits malins qui ont voulu nous flouer hier en nous ramenant des fake news. Je vous dis bien des fake news. Comme quoi l'hôtel Continental avait été vidé et que tout la clique de notre roi, j'ai dit bien c'est plus présent, de notre roi du Cameroun et d'Afrique était parti. On a fait une mission hier soir, hier nuit, avec toute l'équipe de Bruxelles, de Genève, d'Allemagne. On se repartit, nous sommes allés sur place, nous avons vérifié, les journalistes nous ont appelés, nous sommes allés avec eux, ils ont vu. Voilà donc ce régime, après ce qui s'est passé samedi, ne prend même pas conscience de la portée de ce qui s'est passé, d'entamer même un dialogue, d'entamer même un dialogue avec les enfants qui sont au Cameroun. On nous raconte aujourd'hui
quand le président Paul Biya est venu à Genève dialoguer avec une France des partis anglophones, alors que les leaders de la révolution anglophone sont en prison au Cameroun et la majeure partie comme les Eric Tato aux États-Unis. Arrêtons de nous flouer. Ils veulent jouer sur la communication. Ils ont pris toutes nos photos. Ils ont balancé dans les réseaux tribalistes. Mais nous, ça ne nous dérange plus. Je vous dis, mouiller, c'est mouiller. Un poisson n'a plus peur de tomber dans l'eau, que ce soit l'eau chaude ou l'eau froide. Il y a des mains froides, il y a des mains chaudes. Nous sommes déjà comme des poissons. Nous sommes déjà comme des cadavres. Dès qu'on meurt, on ne choisit plus s'il faut une crémation ou il faut qu'on t'enterre. Meurt, c'est meurt. La mort, c'est la mort. Donc le monde ne serait pas dit pour dire « ne me brûlez pas ou mettez-moi plutôt sous terre ». Voilà donc ce à quoi ce président, ce régime nous a mis. Ils ont passé le temps depuis samedi soir avec la complicité de certains activistes pour nous distraire, pour nous dire qu'ils ont changé d'hôtel. On a mis des numéros en ligne, ils ont appelé, on n'a pas eu trace. On s'est dit non, ce combat est tellement sérieux qu'en plus fonctionner avec des fake news. Avec l'aide de deux journalistes suisses et d'un député, cette fois-ci communiste, on a fait le tour de la ville. Il allait réserver à l'hôtel. On a refusé, on lui a accordé une fin de non-recevoir en faisant croire que les artistes, les activistes appelaient dans cet hôtel-là alors qu'il n'y avait pas le président Biya. Nous sommes restés dans la voiture, on a attendu malgré tout, on a vérifié, nous sommes descendus, on a fait le tour, il est revenu, il nous a confirmé qu'il n'y avait aucune trace du président Biya. Sur le retour, nous sommes passés à l'hôtel, je vais dire à l'entrée de l'hôtel intercontinental. Regardez la vidéo, grande n'a pas été la surprise. Je vous dis, grande n'a pas été la surprise. Grande n'a pas été la surprise de voir que non seulement les 35 gardes du corps qui étaient là a doublé, et cette fois-ci, la police suisse est dans tous les couloirs et ils sont à l'entrée. Chaque voiture qui rentre, chaque voiture qui sort, on est questionné. Questionné. Allez sur la vidéo qu'on a partagée il y a 2 heures. Voilà donc ce régime, après tout ce qu'on a fait. Mais je vous dis, on a donné 3 jours. Je vous dis, 3 jours. Nous sommes lundi, mardi, mercredi. Si mercredi matin, on repart encore, on voit cette équipe-là et qui n'a pas et qui n'est pas parti aller se soigner à Yaoundé, à l'hôpital, aux meilleurs hôpitaux du Cameroun qu'il a créé en 45 ans dans les arènes du pouvoir. Alors, je vous dis, contactez-nous. On ne peut plus faire attention avec tout ce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé avec le cyanure. Ils ont tué Guérandi, mais ils vont pas nous tuer de la même façon. Parce que nous-mêmes, nous sommes prêts aujourd'hui. On a bien vu. Et je vous dis, les seringues qu'ils ont pris, c'est dans les mains de la police. Donc, on a prévenu le chef de la police tout à l'heure. On lui a dit, si un activiste meurt empoisonné, quel qu'en soit l'activiste, vous verrez que cette révolution aussi prendra une autre forme. Guérandi a été tué par le cyanure il y a quelques mois, il y a quelques années. Aucun activiste, puisque toutes nos photos, toutes nos adresses ont été distribuées dans des clubs tribalistes. Alors on dit, si un activiste meurt empoisonné ici en Europe, ou au Cameroun, ou ailleurs, vous verrez très bien que cette révolution-ci n'est pas pu s'arrêter là, comme vous avez vu. Et la Suisse, envoie-moi le message sur WhatsApp. Je vais te lire sur WhatsApp. Boss, envoie-moi le message sur WhatsApp. Je vais te lire sur WhatsApp. Voilà. Et la Suisse, envoie-moi le message sur WhatsApp. Envoie-moi le message sur WhatsApp. Celui qui est en train de dire, quand moi tu bavardes trop là, tu ferais mieux de quitter ce direct et de rester chez toi ou de la fermer. Je n'ai pas le temps de te bloquer. Parce que nous, on met nos vies en danger tous les jours. Vous êtes cachés chez vous. Vous pensez que c'est une série télé? Boss, envoie-moi par WhatsApp, je suis en train de lire. J'ai le deuxième téléphone. Ce n'est pas une série télé. Quand on voyage toute la nuit, quand on prend les vols, quand les activistes qui ont été agressés passent des nuits à l'hôpital, alors vous ferez mieux de la fermer. Parce que ce combat qu'on mène, vous ne nous payez pas pour ça. D'accord? Il y a tous ces combattants-là qui ont leur vie, qui ont mis leur boulot en exergue pendant des mois et pendant des semaines. Alors vous ne pouvez pas vous permettre, venez si nous porter des critiques. Si vous avez des solutions à nous donner, vous nous écrivez inbox sur notre page. Et là, on verra comment on va faire. On ne les critique pas sans apporter quelque chose de positif. Quelle est la valeur ajoutée de ton commentaire dans ce direct? Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la valeur ajoutée de ton commentaire? Aucune. Apportez-nous des solutions.
Boss, envoie-moi le message par WhatsApp, je suis en train de lire. Voilà, parce qu'en temps réel, on a toujours les informations qui pullulent. Et je vous dis, ces gens-ci, ils ne pourront jamais nous déstabiliser. Et regardez ce qu'ils ont fait. L'échec du commando de Genève. Voir les presses manipulées. L'échec des commandos de Genève avec toutes nos photos et nos adresses. Mais vous pensez qu'on va s'arrêter là à cause de ces petites photos-là? Non, on s'arrêtera pas là. Ce combat qu'on est en train de mener, c'est jusqu'au bout. Allons dans 3 jours. La combattante Salomé Tchaptiet a dit l'autre jour, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, si Paul Biya et sa clique sont encore à l'hôtel intercontinental, on verra. Bonsoir, monsieur le député Sylvain Tevos, il est là en ligne. Voilà notre héros, c'est le véritable héros de la révolution camerounaise. Donc, je vous dis, si vous n'avez pas de valeur à ajouter, à porter dans cet échange, ne dites rien, ne venez pas, vous n'êtes pas obligé de nous suivre. Et j'invite encore mes amis, voilà, j'invite encore mes amis des services secrets du Cameroun, les gardes du corps qui sont là, je les vois. Je vous invite encore, venez écouter. Et ça, c'est une mise en garde qu'on vous donne. Ils ont voulu nous distraire. Oui, Paul Biya a changé d'hôtel. Oui, il a fait ça. Vous pensez que c'est combien de kilomètres? Vous pensez que Paris-Genève, c'est 1h10 en vol. 1h10. Et de Genève à Paris, c'est combien? 5h30 en voiture. 5h30 en voiture. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on va s'arrêter en chemin après tout ce qu'on a fait? Qu'on va être influencé par deux petits merdeux qui sont là dans nos directs pour envoyer des têtes de mort? Non, la peur a changé de côté. Et tout à l'heure, j'avais un échange avec Narcisse Baga. Il était en train de condamner le fait qu'on soit allé devant l'hôtel intercontinental. Je lui ai donc dit, à quoi joue ce régime en voulant nous détourner de la réalité? Est-ce qu'il a condamné le Camerounais, le compatriote qui a été massacré, frappé, dépouillé de tout son argent, obligé à dire Paul Biya a gagné? Est-ce que Narcisse Baga, je t'interpelle encore, est-ce que tu as condamné ton frère à tes bancs? Président Amod, Edgar qui lui a mis une clé de bas et toutes ces femmes qui étaient en train de le tabasser, l'obligeant à porter un chapeau, un t-shirt de la brigade des patriotes, malgré le fait qu'il chantait Paul Biya a gagné, Paul Biya a gagné, vous étiez encore en train de le taper. Est-ce que Narcisse Baga, tu as fait un poste pour condamner ça? Non. Maintenant, quand vous essayez de nous distraire pour nous dire Paul Biya a changé d'hôtel, Paul Biya est en train de partir et qu'on vérifie, vous voyez très bien que c'est faux, vous vous offusquez. Mais vous prenez finalement pour qui dans ce pays? Vous pensez que ce compatriote-là, je vous rappelle que lors de l'agression du journaliste Adrien Claus, mercredi dernier, les gardes, les singes de la garde républicaine du Cameroun ont cassé les côtes de 3 d'un activiste. Et la plainte est encore en cours. Donc ne vous inquiétez pas, ce régime paiera. Ce régime paiera. Nous ne sommes pas en forêt ici. Nous sommes dans un état de droit. Et ici, on ne se fait pas violence. On ne se fait pas violence. La justice est là pour ça. Quelqu'un t'insulte, si tu n'as pas le courage de riposter, il y a les commissariats pour ça. Il y a les tribunaux. Et voilà, ok. Voilà encore une information que je viens d'avoir de notre cordeau. Je vous fais partager. Voilà encore l'information que le journaliste vient de nous passer en direct. Des fonctionnaires au nombre de 400 personnes sont partis de Yaoundé vendredi soir pour Genève et payés 600 000 francs en frais de mission pour venir chanter les gouas de Paul Biya à Genève samedi. Vous vous rendez compte? Des fonctionnaires au nombre de 400. 400 fonctionnaires sont partis de Yaoundé vendredi soir pour Genève et payés 600 000 francs. 600 000 francs la journée pour venir chanter les gouas du président Biya à Genève samedi. Donc même parmi la brigade des patriotes qu'il y avait, en réalité c'était des fonctionnaires. Et à payer avec l'argent du qui? L'argent du contribuable camerounais. Quand on dénonce ça, quand les journalistes suisses dénoncent ça, quand un député dénonce ça, la seule chose que vous avez à faire, c'est la caricature. Vous allez prendre les photos du député en disant qu'il est homosexuel, alors qu'en Europe, l'homosexualité est permise et admise. Et les propos, je vous dis, homophobes sont pas discriminatoires, mais sont pénalement condamnables. Voilà donc les Camerounais qui sont là, on les met les faits, de 400 personnes
pour 600 euros le week-end chanter la gloire d'un président à la fin d'un règne. Voilà ça. Narcisse Baga, qu'est-ce que tu peux dire à ça maintenant? Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Regarde, envoyé encore par l'un même des anciens gars de la patriote, de votre brigade des patriotes, qui ne cautionne plus ça. Qui ne cautionne plus ça. On a vu un compatriote taper, frustré, obligé de dire Paul Biya a gagné. Obligé de dire Paul Biya a gagné. Est-ce que tu as condamné? Et on voit un vieux papa, comme Atebankou, en train de lui mettre les coups, alcoolisé, sous, lui donner les coups jusqu'à tomber. Personne n'a condamné. Si c'est pour dire oui, dites au Bamileke de condamner ça, vous êtes très fort. Donc, l'information c'est ce soir. Combattants, tenez-vous prêts. Je dis bien, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. On lui a donné, Salomé Tchapté t'a donné 3 jours. 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant, comme on revient de Genève et qu'on a eu la véracité que Paul Biya est encore à l'hôtel intercontinental et qu'à la limite, sa garde a doublé, et qu'il y a maintenant des fonctionnaires, des hauts gradés de la police belge qui sont dans l'hôtel et partout aux alentours, tenez-vous prêts. Et je vous invite à suivre le reportage sur la radio télévision suisse qui a été fait tout à l'heure avec tous les commandos qui ont fait cette opération. Parce qu'on ne pouvait pas le dire. On a fait un direct hier nuit, on s'est coordonné. Alors je dis merci comme ça à la combattante Salomé Tchapted, au général Wanto, au coordonnateur Carlos Buende, à tous ces journalistes-là, à monsieur l'ambassadeur Diff, même sortant d'hôpital, il a dit qu'il pouvait pas manquer, à tous les résistants de Genève et d'Allemagne qui sont restés et qui sont encore là. Je dis merci. Ce combat, c'est ça. Ils ont pensé un moment qu'ils allaient nous diviser pour mieux régner. Alors on leur a dit non. On va dépenser, j'ai dit, on mettra tous nos derniers sous. On va vider nos corps, nos PL pour cette résistance-ci. Et je donne encore un dernier avertissement aux combattants qui sont en train de propager les fausses nouvelles. Quand vous avez une nouvelle, prenez la peine de vérifier. Parce qu'il n'y aura plus de distraction. Il n'y aura plus de distraction dans ce combat. Aucune distraction. Celui qui a une information, prend la peine de vérifier. On ne peut pas faire une heure de vol, faire presque 650 km pour aller vérifier une information pour que vous commencez à nous distraire. On a fait des vidéos. Paul Biya n'a jamais changé d'hôtel. Jamais. Paul Biya est encore à l'hôtel intercontinental. Regardez la vidéo qu'on a postée à 16h03. Parce que nous, qu'on fait, c'est avec les preuves. Les journalistes étaient avec nous. Et ce soir, il y aura encore un reportage. Tous les combattants qui étaient là ont tous été interviewés, tous. Et parmi eux, je tiens encore un grand chapeau à monsieur l'ambassadeur à Diff d'Allemagne. Un sac de gars. Ne vous fiez pas à sa petitesse, c'est un combattant en homme. Malgré la tête qu'il avait à la main, il a dit, je ne peux pas rater ça. On va faire les photos, on va faire les vidéos. Et les combattants de Suisse qui ont été là, qui ont tout fait pour qu'on passe discrètement et qu'on se gare devant l'hôtel intercontinental où on a même eu la chance de filmer encore certains sbires du régime de Biya pour que les gens ne disent pas que c'est du fake. On les a filmés. Allez sur la page, vous allez voir. Et n'oubliez pas de signer la pétition. N'oubliez pas de signer la pétition du député Sylvain Tevos. Hier, yeah, c'était à 8000 pétitions signées en ligne et en papier. On est déjà presque à 3500. Continuez de signer. Mercredi matin, elle va passer à l'Assemblée suisse. Donc, continuez à signer. Si on a besoin de 3000 et qu'il y en a 45 000, les gens comprendront qu'il va vraiment être persona non grata. Et c'est le message qu'on laisse à la police helvétique. La Suisse n'a jamais été un pays de guerre. La Suisse est un pays calme. Alors, si vous ne voulez pas que ce soit un champ de bataille toutes les semaines, parce que la dernière fois, on avait donné notre parole, si vous ne voulez pas que ce soit un chef de bataille toutes les semaines, alors cette fois-ci, on ne s'arrêtera pas à la place de l'ONU, on va descendre à la gare. On va prendre la rue de Lausanne, on va prendre la rue de Berne à Genève. Donc, je vous dis, combattants, soyez prêts. La combattante Salomé Tchapchet a donné 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Si, jeudi matin, vous ne me voyez pas jeudi matin, c'est que peut-être Cameroun l'a tué.
Donc, je vous préviens, signez la pétition, regardez le journal, le reportage qui a été fait ce jour, par la radio-télévision suisse, et vous comprendrez que la peur a changé de camp. On ne va pas être distrait. On ne sera pas distrait. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai encore beaucoup de routes, vous savez. C'est les bouchons. Donc, je vais reprendre la route. Et je vous dis, ce soir, on va encore réfléchir. On réfléchira. S'il faut que je reparte à Genève, s'il faut que l'équipe de communication reparte, on repartira. Mais on a dit mercredi. Voilà donc des gens qui sont là. J'attendais que vous condamniez tous ces actes-là. Voilà un jeune père de famille qui va être traumatisé à vie. Et vous dites que c'est nous les barbares. Vous l'avez molesté. À Tebankou, un papa de presque 60 ans. À président des Beaux-Ailleurs. Qui encore? Clément Meka. Edgar Minasto. Vous l'avez massacré. Traumatisé à vie. Cet homme, aujourd'hui, a même peur de répondre au téléphone. Alors, Narcisse Maga, tu as perdu l'occasion de te racheter. Alors, je vous dis, tenez-vous prêts. Signez la pétition du député Sylvain Tevos. Continuez à signer la pétition. Continuez à signer. Même s'il y en a 50 000, continuez à signer la pétition. Merci, Caroline Pégan. Merci, Manvel Napte. Merci à toute l'équipe. Je vous dis, on se donne rendez-vous dans 2 jours. Regardez la vidéo. Écoutez le message. Écoutez le reportage de la télévision suisse de ce soir. Alors, je vous quitte. Ce président-là, il aura une fin de règne. Comme on le supplie depuis de partir et de laisser ses enfants en paix, il aura une fin de règne très, très difficile. Alors, je vous le dis ici encore, le combat continue. On ne lâche rien. Bye bye pour éviter les signalements. Bon, c'est bon, j'ai compris. Dès que j'arrive, on s'appelle. Merci à Solomon Chapchat, merci au général Wanto. Merci à toute l'équipe des États-Unis qui travaille en concert avec nous. Jacques Tionan, Adélaïde Madissé, Pidjal Benjo, la combattante Hilda Mado, la combattante Mado et toute l'équipe. Merci à vous tous parce que ce combat-ci, is brand. Regardez en anglais ce que ça veut dire, brand, c'est l'intelligent. Merci à toute l'équipe de Belgique aussi, j'ai oublié. Et merci à notre coordonnateur qui est là derrière et qui est en train de faire un travail. Merci aux journalistes, merci à certains, je tairai le nom, parce que l'autre jour, ils ont été afflubés des messages. Merci à ces journalistes qui sont là derrière nous chaque jour. Merci. Le monde ne nous appartient pas, nous sommes tous de passage. Alors rendons le meilleur, tout simplement. Merci et bye bye.